Pour s'enquérir le niveau d'exécution des travaux de bitumage des rues de la voirie urbaine de Mongo et des routes reliant les autres provinces, le ministre des Infrastructures, des Enclavements et de l'Entretien routier, Aziz Mahamma Saleh, a tenu une rencontre avec les autorités de la province du Guéra et les différents responsables des entreprises. Rencontre au cours de laquelle le gouverneur de la dite province, Mahamat Togou Tchohimi, a mis l'accent sur certains chantiers qui avancent à pas des caméléons. Les travaux de construction de la voie urbaine est pratiquement à l'arrêt depuis quelques mois. De même, la construction de la route Mongo-Aboudéa est au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt. J'ose espérer qu'à faveur de votre visite, les travaux puissent être repris et accélérer de manière à concrétiser la promesse du président de la République, satisfaisant ainsi les besoins primordiaux de la population. Le ministre des Infrastructures, des Enclavements et de l'Entretien routier, Aziz Mahamma Saleh, a pris bonne note. Il y a aussi un certain nombre d'infrastructures en cours à travers un certain nombre de ministères sectoriels qui sont concernés. Mais en tant que maître d'ouvrage, il nous reviendra de faire le point avec les ministères concernés, s'agissant concernant les lycées, les collèges, les centres de santé, pour que également nous ayons une planification de leur mise en œuvre. À travers une présentation des documents, le taux d'exécution est faible à en croire la déléguée des infrastructures de la province du Guéra, Mariam Hassan Saline. Les responsables des entreprises ont énuméré certains nombres de difficultés. Il s'agit le non-paiement des deux comptes et la fréquentation régulière de la pluie dans cette zone. Pour pallier ces difficultés, le ministre Aziz Mahamma Saleh rassure aux bénéficiaires que le gouvernement, à travers le département des infrastructures, mettra tout le moyen pour exécuter le délai fixé.